panda, c'est très très drôle. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Tiens, prends ta tête et Ce n'est tais-toi. absolument pas négociable. On va aller faire le panda. Alors moi, j'ai essayé de faire le panda avant-hier avec l'ami président des villes et eh bien, malheureusement, ça a complètement buggé puisque lui, il n'avait pas le costume de panda. Il faisait la chute libre sans pouvoir faire quoi que ce soit, alors que c'était moi qui hébergeais la partie. D'accord, mais de toute J'ai façon, là, il faut faire quelques activités du professeur Genki pour pouvoir débloquer le panda. Donc, il y a une pelote sexy pas loin. Je te Eh bien, propose alors, d'y faire, aller. je propose la pelote, effectivement. Je vote pour aussi, totalement. Dégâts de véhicule, ouais. Voilà. Parce que, je sais pas, je crois que les brutes sont considérées comme des véhicules, il me semble. Bon, tu montes. Oui, je monte. Au pire, tu regarderas plus tard. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, dommage. Ouais, il y a des gens qui doivent se dire pourquoi est-ce qu'on se tire dessus comme ça et qu'on a désactivé le tirami dans ce cas. C'est pas une raison très simple, c'est que le tirami, faut que ce soit amusant, qu'on se tire dessus, qu'on s'emmerde un peu. Faut pas que ce soit chiant et relou, genre on se tire dessus et puis ben basta quoi. On est là, on est crevé, on est comme des cons, c'est absolument pas ça l'intérêt. Hein. On fait pas Saints Row pour faire du JCJ. Ce serait totalement ballot. Mais Oui, ce serait hyper idiot. Mais rigolo. à l'occasion, non. Yippee-ki-yay! Yippee-ki-yay, pauvre con! Oh, je viens de voler là, un truc mignon. Oh, mais il y a beaucoup de monde ici, attends. Et paf! Attention! Wouhou! Cascade dangereuse! Et je suis en train de te faire un putain de massacre. Je vois ça, le combo, ça, le compteur combo s'affole! Et voilà, on a éclaté le rat. La télra fait. Combo 126. On va péter le score si je n'arrive à me débloquer. Non. Mais on a fini. Nous avons déjà fini. Nous avons été particulièrement efficaces. Ouh, je viens de me prendre un lance-roquette dans les dents. Je n'ai pas compris d'où ça arrivait. Donc on a torché le truc avec un sacré bon combo là quand même, mine de rien. Eh bien voilà, alors la suite c'est quoi? Là ils sont un peu plus généreux sur le sur les sous-sous. Pot chat sexy. Presque chat sexy et les véhicules sexy quitaine. Et le pot livraison de pelote. Très important le pot livraison de pelote. Alors je vois où est la suivante. Oh putain, c'est moi, où on vient de me frapper là? Ou alors toi, ma pauvre. Oh tiens! Je crois qu'elle a compris sa quoi, t'as douleur un là, tu problème vois. toi? Tiens, dégage. Hop, on va acheter ça. D'or. La baraque. Ah, argent. On est en train de me tirer dessus. C'est la police. C'était la police. Alors, que je puisse regarder. Ajouter signé. Non. Ça, c'est ah, un truc c'est que je trouve nouveau très ça. bien dans Saints Row, c'est que tu peux sprinter avec absolument toutes les armes, là où sur GTA, il y avait des armes avec lesquelles tu ne pouvais pas sprinter, ce qui était assez handicapant dans certains cas. Bon, même si un peu plus réaliste dans le truc, mais là, on s'en fout, on est dans Saints Row. Je cherche le prochain Genki. Et tu sais quoi? Je crois que nous avons débloqué le panda.
Nous avons débloqué le panda. Et allons-y, j'ai une voiture. Alors voilà. J'ai une voiture aussi, ne t'inquiète pas, tu peux y aller sans moi. En plus, j'ai une Il voiture qui pleut. va assez vite. Ouais, moi ça se traîne un peu, c'est. Et il pleut. Et il pleut. Bah là, on se croirait en France, hein, pour un peu. C'est pas faux. En fait, ça ne soit en France, je pense que les conditions climatiques seraient assez semblables, donc à ce niveau-là. Je te mets une petite dérouillée, dis donc. Ouais, attends, t'as vu l'engin que je me trimballe aussi? Non, j'ai pas regardé, justement. Ouais, voilà, donc. Les gens voient, ils voient l'engin que je me trimballe. Ils savent pourquoi je n'arrive pas à te rattraper pour que je puisse te mettre ta misère. Pour que je puisse, ne serait-ce même qu'envisager de pouvoir te concurrencer. Je crois que j'ai dégommé un mec qui avait le malheur de traverser en dehors du passage clouté. Ça peut arriver IRL, ça. Ah ben là, tu as ton costume, donc théoriquement, tu vas voler. Ah, voilà, l'activité la plus drôle du professeur Genki, selon moi, et la plus kikou aussi. Le panda. Je trouve ça absolument génial. Il y avait un truc comme ça, un petit succès d'attraper tous les anneaux du panda. Tu prends le premier toi ou je le prends? Je le prends, j'y suis, je Bon, prends. ben, je vais sur le suivant, alors hop, c'est parti. Oh, ben non, oh, je me suis raté. Bon, ben on y repassera après, hein. Alors ce que j'aime bien là, c'est que les premiers mecs, ils sont généralement assez hop, Ah, ça y est, je ils sont peux assez téméraires, ils revenir. viennent t'attaquer, alors que les autres après, ben ils trottent dans tous les sens. Oh mais dis donc, on a vachement de temps là. Que se passe-t-il? J'ai un petit souci chez Windows qui m'a dit non, 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 je ne veux pas que tu joues. Voilà. Tu sais quoi faire que le Windows? Oh, fuck la police! Le Windob. J'aime tronçonner des Voilà, gens. ça c'était top of cool. Toi suivant. Hop. Tu as raté le premier toit donc? Non, 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 c'est bon, j'y suis. Je suis en train de faire un carnage. Très bien alors. Par contre, Hop, il me je reste 10 m'arrête ici. secondes. Celui-là. Non. Allez, hop, on va attraper. Voilà, top of cool, c'est parti. Je suis reparti. Mais par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je m'aille. Ah, ils sont juste un étage au-dessus, c'est fort dommage. Où est-ce que j'ai... Ah, j'ai un souci. Ah, non, 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 pas maintenant. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de ballons? Alors, je vais attraper un Nénitical, tant pis. Pour permettre de remonter un peu. Oh. Et voilà, je vais tomber là, voilà. Je suis à l'arrivée, j'ai fait un massacre. Voilà, parce que je me suis. Passe-leur le bonjour de ma part. Je me suis vieillement Hop, raté. allez, venez là, les vilaines, allez. Parce que je me suis Et vieillement venez raté. là, venez là. Ouais, c'est bien, hop. Allez, venez là, venez là, venez là. Pa, pa, pa. Voilà, cleared for landing. Ready. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, toi. Paf! Ils sont où les moches? Ils se sont barrés! J'ai pas rêvé! Ils ont pris le canon! Alors, est-ce que je peux attraper un truc pour remonter là, pour aller faire les autres? Et. Pouh! Ouais, je sais que c'est unethical, mais. Est-ce que j'ai le choix? Pas du tout. Pouf! On est parti. Et on va pas assez haut, hein, c'est terrible ça. Bon ben allez hop, on va aller atterrir, hein, du coup, puisqu'on est cleared for landing. Puisqu'on est cleared for landing.
nothing is showing today, Zach. We've seen this Saint shoot, and now we've seen this Saint fly. And frankly, I'm excited. Ils sont très très de très très bonne qualité ces costumes quand même, hein. On va aller faire l'autre, le moyen. Celui qu'on aime tant. Celui où on a réussi à faire bugger le canon. Je crois qu'ils ont fixé le bug. Il me semble bien que le bug est fixé. C'est dommage, parce que gagner 2 millions de... Ah, j'avoue que 2 millions et demi en un coup, là, c'était magistral, ça. Je n'ai pas compris. Tu l'as en vidéo, en plus. Oui, j'ai ce moment épique en vidéo. Je ne manquerai pas de le poster à l'occasion. Donc, on va aller faire l'autre, et puis... Et puis après, on va peut-être continuer l'émission principale. Eh ben ouais, on va aller se remettre au boulot après, parce que... C'était surtout c'était par besoin de fric qu'on a fait ça. Oh, yep. La moto Hop là. Je crois que le mec du stag, il en a strictement rien à carrer. Pourtant, c'est un citoyen qui paye ses impôts. Et... Ah ben voilà, le point est triste. Allez, c'est parti. Je viens de me rendre compte que je n'avais jamais utilisé un taxi de ce jeu de ma vie. C'est vrai que moi j'avais utilisé, j'aimais beaucoup les taxis dans les cabis dans GTA Vice City, je sais pas si tu te souviens. Mm-hmm. Ça j'en avais à toutes les sauces. Non, mais je veux dire les... Voilà, celui-là. De ce jeu-là, je n'avais jamais volé un taxi. Voilà. Ah bah il y a un début à tout comme on dit, hein. Mm-hmm. Allez. Donc celui-là, c'est un niveau moyen, mais qui est quand même fort bien, fort drôle. Tu prends le premier toit ou je prends le premier toit? Oh, vas-y, prends-le. Allez, je m'occupe du premier toit. Allez. Parce que là, on a quand même beaucoup moins de temps. On a à peine une trentaine de secondes. Et avec les autres clampins qui trottent dans tous les sens. Ouais, venez là, vous êtes téméraire. C'est très bien. Je trouve ça tout à votre honneur. Mais vous êtes aussi très con. Il n'y a pas de problème. C'est bon, j'ai encore une dizaine de secondes. Là. Allez, le dernier, il est où? Il est là-bas, le dernier. Vais-je l'avoir? 5, 4, 3, 2. Et c'est bon! Allez, au suivant. N'hésite pas à te jeter dans le vide, hein, mon petit père. Je ne l'aurai pas. Jette-toi dans le vide! Tu as pu nettoyer ici ou pas? Attends, je passe. Allez, je vais m'occuper du dernier puisqu'il est là. Voilà. Allez, au suivant. Allez, on va aller voir. C'est... Tu prends les gâtes ou je prends les... Moi, je suis aux mascottes d'animaux, là. Très bien. Donc, moi, je vais m'occuper... Alors, c'est lequel, là, que je fais? C'est les canettes. Mais je vais aller voir les gâtes, moi. Ah, ça c'est bien parce que ça fait grimper le kiki massacrage de mascotte. Mais un truc mignon. Voilà, je suis chez les gâtes. Viens là. Cleared for landing. Oh, c'est cleared for landing et je dois sauter. Ah, moi il me reste 10 secondes. T'inquiète pas, je reviens derrière. C'est parfait. Là, il y a vachement plus de ballons, je ne sais pas pourquoi. Là, hop, parfait, celui-là, il est à moi. Paf. Allez, on y retourne. T'as massacré tous les animaux? Oui. Super. Allez, je m'occupe de celui-là. Hop là. Alors ici, il nous en reste un, donc on va lui faire sa fiesta. Viens là, mon petit, viens là. Et je commence le massacre à l'arrivée. Voilà, donc ça, c'est Cleared for Landing, celui-là. Hop, les gâtes, il nous en reste 3. On va les massacrer, les gâtes. Allez, viens là. Paf, où est-ce qu'il est, le dernier?
Viens là, ma grande. Viens. Où tu vas comme ça? Où tu vas? Viens là. Ici, je suis là. Il est con aujourd'hui ou quoi? Hop. Bon, bah c'est bon, je crois qu'on a tout fait là. Hein. On a tout nettoyé? Voilà. Voilà, apparemment ils ont fixé le bug, je pense. Et hop, voilà! Et là, on peut mettre une musique totalement épique de Star Wars et remplacer les tronçonneuses par des sabres laser. Ça pourrait être assez drôle. Bon, on se le refait encore pour faire encore une vingtaine de milliers de dollars? Non, je pense que ça ira. Ouais, moi je viens de ramasser 28 000 $ parce que je l'ai fait. Je pense que je vais acheter mes modifications et qu'on va pouvoir continuer l'histoire. S'est-il passé? Ah! Je viens d'avoir un écran de chargement noir, là, je suis bloqué. Ah! Non, c'est bon, passe pas. Hein. C'est la cinématique de fin parce qu'on a nettoyé le pack. Over the years, you've had your doubters. Some have said you were just riding on the coattails of more accomplished people. Is this vindication for you? Absolutely. Not just for me, but for all the kids out there watching at home, thinking that they'll never make something out of themselves. I just want to tell those kids, no matter what... T'es vachement crédible avec ce costume de panda qui dit ça quand même, hein. What a great message to end on. Well, Zach, I spent years honing my craft. Murdering, robbing, assaulting, more murdering... Light treason, murdering again, also that when I got my shot. Ah ouais, c'est toujours sympa. Alors que tu penses que si on disait ça à la télé chez nous, on se ferait. Ouais, ça se ferait méchamment lynché là, je pense. You're gonna become your parents. How fucking depressing would that be? Oh, le sourire de con. Je dis quoi moi maintenant? Eh ben voilà. Cérémonie de clôture du Genki Ball, terminée. Bah, ça fait pas gagner beaucoup de respect, hein, pourtant. Ça fait rien gagner en respect. Professeur Genki est content. J'aime bien cette petite citation. Genre, Professeur Genki est content. Ah, ça donnait un résultat assez sympa, nous deux. Bah écoute, regarde, on a un cadeau. Ah bon? Regarde. Oui, il a laissé un petit vétol, dis donc. Il est à moi, celui-là. Il est à moi. Ah oui, faut peut-être que je te récupère. Oui, pardon, excuse-moi. Et j'aime bien le mec du Stug. Oui, bah allez-y, prenez-le. Il y a absolument aucun problème. Écoute, mec, je t'aime bien, mais décolle, vas-y. Attends, 2 secondes, j'achète mon sprint. Voilà. D'accord, ok, je m'en vais. Alors, je ne sais pas du tout où est la maison. Alors, attends. La maison, elle est pas très loin, là, normalement. Elle est... Va au sud. Fais demi-tour, va au sud. Voilà, tu vas vers le sud, et là, c'est derrière le building... Oui, c'est bon, j'ai combusté, je sais où on est. Voilà, c'est bon, très bien. Bah, voilà. La maison, elle est là. Ah, Vétol, enfin. Et là, on n'a même pas besoin du processeur RC pour l'avoir. C'est fabuleux, je trouve. Et on est descendu en même temps. T'as vu ça? T'as vu cette synchro un peu? Attends, parce qu'il faut que je remonte tout seul. Ouais, il faut que tu rentres dedans tout seul, en fait. Bon, ça, c'est fait. Récupère un Vétol pour le Pika. Check. Oh, tu t'es éclaté la gueule! J'ai pas compris pourquoi. Non, moi non plus.
Bon, je vais aller changer de coiffure. Voilà. Moi, je vais aller acheter deux ou trois propriétés qui traînent et augmenter à fond. Ouais, sachant que il y a quand même un risque de se faire emmerder. T'as augmenté le processeur RC ? Je vais augmenter le processeur RC, bien sûr que oui. Parce que en gardant le processeur RC comme ça, c'est bien, mais c'est pas pratique du tout pour la simple et bonne raison que je m'ai très très vite fait de se faire découper malgré tout, quoi que t'en dises. Je pense que tu seras d'accord avec cette affirmation. Ou pas. Parce que le fait d'avoir le processeur RC au maximum, je peux prendre le contrôle d'un tank et je peux démolir tout le monde autour et venir avec le tank et il n'y a plus de problème, quoi. C'est aussi ça le gros intérêt de ce truc. Mais vite à vie. Bah, ça nous aurait tiré de la merde plus d'une fois, quand même. Alors, où quelle est la mission ? Alors... Ça vient par là, ouais. Alors ça. Voilà, ça c'est fait. Excusez-moi. One shot la mission, check. Je suis en train de changer ma coiffure. Voilà. Tu risques peut-être d'être emmerdé un peu. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, y avait une mission à faire, donc j'ai one shot la mission. Hein. Allez hop, on va se mettre ici. Là. Et évacuer le véhicule. Oh non, mais t'es sérieux, bande de clampins là? Faut pas apprendre à conduire sans déconner. Oh, les mecs, ils m'ont foncé dedans pendant que j'étais en train de descendre du VTOL. Ils m'ont foutu le VTOL en l'air. Heureusement qu'ils me l'ont pas démoli. Sinon, je leur ai fait un fichu procès. Voilà. Ça, c'est fait. Hop, c'est acheté. Bien. Magasin suivant. Ah, bande de trous du cul, je suis sûr qu'ils me l'ont endommagé en plus, hein. Tu peux y aller. Je fais comment pour monter dedans, là, maintenant? Voilà, parfait. Ah, ça vous apprendra. J'aime pas qu'on nique mon nom. J'aime pas qu'on touche à mon VTOL. Cet épisode de Sensro est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez trouver l'épisode suivant ici, et l'épisode précédent ici même. Vous pouvez également partager les vidéos sur Facebook et sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en voir plus, et si vous souhaitez suivre nos aventures sur Sensro The Third. Humble salutation, c'était TX9000 et merci d'avoir visionné nos vidéos.